but, c'est vraiment l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes et donc qu'elles puissent avoir accès au message qui est en train d'être dit, quoi. C'est vraiment le principal. En fait, c'est un clavier qui fonctionne par syllabes. En fait, chaque touche correspond à une lettre et on fait des accords de lettres. On appuie sur plusieurs lettres en même temps. Donc on prend souvent l'exemple du mot entreprise qui a 10 lettres. Donc sur un clavier AZERTY, il faudrait 10 frappes pour taper le mot en entier. Et nous, on tape en 2 frappes, on fait entreprise. Beaucoup d'entraînement. Et puis l'expérience, et puis on prend des petits tics aussi, des petites habitudes, mais effectivement, il faut avoir une très très bonne mémorisation, un gros effort de concentration. Il ne faut pas hésiter non plus sur l'orthographe. Il faut savoir écrire les mots tout de suite, il ne faut pas réfléchir, est-ce que je mets un E ou un A, c'est tout de suite que vous soyez mis. Donc les automatismes orthographiques doivent être là.